Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire du Seigneur. Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé.
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia!
puissent goûter avec douceur à la joie de Pâques. Avec eux, nous étendons notre prière à tous les enfants victimes de la maladie, la maltraitance, l'abandon. Prions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Thank you.
feuille d'information à la sortie de l'église. Cette semaine, nous entrons dans ce que nous appelons l'octave de Pâques, se prolonge jusqu'à dimanche prochain, au-delà, toujours Pâques, le dimanche. Mais nous avons chaque jour un prolongement de cette célébration. Demain, c'est férié. Il y a la messe à 11h à Beaune. Nous nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.